En ce qui concerne l'énergie, en 1990, quand nous sommes arrivés ici à N'Djamena, la capitale, qu'est-ce que vous avez comme énergie? Mesdames et messieurs, les gens ont oublié les calvaires d'hier. Pour tout N'Djamena, il n'y a que 5 mégawatts. La STDZ de l'époque, 5 mégawatts, je dis bien. 5 mégawatts. D'une année à une année, nous avons modernisé notre système de production. Nous avons augmenté la puissance de 5 mégawatts à 140 mégawatts. N'Djamena consomme 100 mégawatts. Nous avons un surplus de 40 mégawatts pour la ville. Dieu merci, cette raffinerie-là vous a donné votre totale indépendance énergétique, pour bien comprendre. Et vous exportez le surplus de cette raffinerie-là. Il ne faut pas oublier non plus, les Tchadiens ne doivent pas oublier les calvaires sur cette question d'énergie-là que nous avons vécu avant la mise en production de notre propre, n'est-ce pas, pétrole. Mais l'énergie fossile étant ce qu'elle est, nous allons nous orienter vers l'énergie propre, éolienne et solaire. C'est ce que nous avons fait ici à N'Djamena, nous allons le faire dans toutes les villes. Le ministère de l'Énergie avait déjà conçu, c'est ce que nous appelons les boucles nationales. N'Djamena Moundou, Moundou Sar, numéro 1, N'Djamena Mongo, Hadjar Abéché, les honneurs, boucle numéro 2, boucle numéro 3, N'Djamena, Massaguet, Massakouri, Bol, Mao, Baragadel Moussoro, et plus au nord, dans le BET, l'ancienne BET. Donc, notre pays, la nature l'a doté du soleil, qu'on appelle des routes, des vents, qui sont déjà jalonnés et qui sont connus aujourd'hui, les études sont faites. Donc nous allons utiliser le couple énergie éolienne et énergie solaire. Donc ça, c'est une vision et c'est un objectif que nous devrions atteindre. Les villes secondaires et aussi le monde rural. Nous allons étendre notre action de manière à ce que l'énergie ne soit pas un produit de luxe pour une classe, certaine classe de Tchadiens donnés. Mais ce soit un besoin réel pour tout Tchadien.